Solamente tre nomi. Ugo Toniazzi, Marcello Mastroianni, Marco Ferreri. Yo he hecho con muy poco dinero y que para mí es muy importante, sobre todo porque es una película donde no se habla y donde me ha permitido de empezar a conocer los tiempos cinematográficos para mi película de después. Es muy importante también por el encuentro con el protagonista. Hai abbandonato subito il suo metodo fin dal primo film dès le premier jour, même dès la première rencontre en dehors du tournage. C'est étrange, mais quelquefois dans la vie on tombe amoureux. Qui a toujours été un peu interdit, mais interdit par la profession même en France et en Italie aussi. C'était un film trop dangereux, c'était un film d'un révolutionnaire. Très très grands amis, mais en même temps extrêmement attentifs à ce qu'il allait essayer de nous expliquer. Il n'expliquait jamais rien. Mais dans son regard, on imaginait ce qu'il avait envie que nous imaginions, nous. C'est clair ? Merci. S'est passé de la façon la plus calme, la plus simple. Tout le monde s'amusait beaucoup. Qu'est-ce que je peux dire? Comment, venant ce que je vais dire, comment allons-nous comprendre que c'était un film expérimental ou dangereux? Ou incompréhensible. C'est un film fait sur la destruction d'une génération. C'est l'histoire qui se passe dans ce film. Sauf que Marco présente un homme dans cette situation de panique, mais passant toute une nuit à jouer comme un enfant. Il joue à se faire la cuisine, il joue avec un revolver, il joue avec une domestique qui de temps en temps est sa maîtresse, il joue à tuer sa femme, il joue à tout. Il joue à nager à la fin, il joue à monter sur un bateau et il rencontre une jeune fille qui lui pose simplement cette question: est-ce que vous pourriez me faire une mousse au chocolat? Il répond oui et le voilà engagé vers une nouvelle vie que l'on ne connaîtra jamais. Llego por la primera vez con la imagen de dar toda la angustia y todo el sentido también de la fin de una época y de una alienación. Era el momento que se
acababa la periodo que se decía de alienación. Je crois que je m'amusais à faire l'acteur en essayant d'être le moins acteur possible. Je jouais un éternel enfant. Piccoli ha fatto 5 film con Federici. C'è uno che preferisce, che predilige rispetto agli altri o no? No, ce que je préférais c'était Federici. C'était un monstre de tendresse, mais un monstre quand même. Voilà.